Eh bien, salut tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo achat. Donc, une vidéo achat de la semaine. Donc, je m'excuse si j'ai reçu un petit truc comme quoi, et apparemment, il n'y avait pas d'audio. Mais je pense que c'est OK parce que j'ai regardé, j'ai vérifié. Et apparemment, il y en avait. Donc, aujourd'hui, ce sera une vidéo achat de la semaine. Donc, en fait, j'ai vendu quelques petites choses. J'avais quelques petites choses qui traînaient. Et donc, j'ai vendu quelques petites choses aussi pour consacrer un petit peu d'argent pour les vidéogniers, parce qu'au mois de juin, il y en a pas mal non plus. Au mois de juin, il y a déjà 5-6 vidéogniers à faire dans la région. Et demain, j'en fais un demain, parce qu'il y en a un dans ma région, donc ça va être l'occasion d'aller faire un tour. Ce sera le premier qu'ils vont faire, donc on verra bien ce que ça va donner. Apparemment, ils annoncent 35 exposants. Donc, apparemment, j'ai déjà entendu des trucs qui rechignent un petit peu, du genre les exposants ne pourront pas venir avec leur véhicule pour exposer, ils vont devoir se trimballer toutes leurs affaires. C'est un peu dommage, on verra bien ce que ça donne. En plus, ce qui est bien, parce qu'en même temps, il y aura le marché. C'est vrai que le marché, c'est un marché où ils vendent des fois des vêtements et des trucs ainsi. Mais il y a également des gens qui vendent des Blu-ray, des trucs ainsi. Je pourrais au moins faire un petit tour, on sait jamais, hein, vu que je suis jamais souvent au marché, donc c'est l'occasion d'aller faire un tour, pourquoi pas. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale achat de jeux 360. Donc c'est bien parce que dans ma région, les jeux 360 commencent déjà à être pas trop chers. Dans certains cas, à 1 €, 2 €, 3 €, on a des jeux. C'est plutôt pas mal, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Parce que c'est vrai qu'en France, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de caches qui proposent des jeux 360 à 2-3 €. Bon, faut savoir que la console à PS3 et tout ça, je préfère carrément la 360. Hein, c'est une de mes consoles que je préfère vraiment. Parce que c'est vraiment une console que j'ai beaucoup joué à l'époque. Et je profite un petit peu de trouver des petits jeux pour pas trop cher. Hein. Je récupère aussi des boîtes. Vous allez voir pourquoi. Dans mon cache, il y a des jeux de foot, même des jeux de sport. Ils sont proposés à 10 centimes le jeu, quoi. 10 centimes. Moi, quand je les vois, même 20 centimes, déjà, c'est déjà pas cher, mais 10 centimes le jeu. Bon, moi, je les prends parce qu'on sait jamais hein, si ça peut servir pour une boîte. Et il y a deux jeux que j'ai pris également parce que c'est des jeux que j'aime bien encore. C'est un univers que j'aime bien comme jeu de sport. Donc voilà, on va commencer de suite sans perdre de temps. On va commencer par les jeux à 10 centimes. Donc, je vais pas vous mentir, hein, 10 centimes un jeu. Donc, j'en ai pris 2, 4, 6, j'en ai pris 8. Donc, ça m'a revenu à 80 centimes les 8 jeux. Franchement, je m'en prive pas à ce prix-là. Hein, c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Donc, j'ai pris pour commencer le FIFA 11. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, bien mis la FIFA 11 pour bien vous montrer que c'est bien net. C'est pas des jeux que j'ai mis. Enfin, après, voilà. Moi, je trouve vraiment que le prix, enfin, les gens qui vendent ça, ils doivent vraiment, ils doivent avoir que 5 centimes. Donc, je vais vous montrer peut-être brièvement les jeux de foot, hein, parce que c'est pas vraiment, moi, j'ai vraiment pris parce que c'était pour des boîtes, hein. Ça peut toujours servir. Donc, j'ai également pris le PS 2011 Pro Evolution Soccer. Donc, il faut savoir que les jeux, ils font aussi ça dans les jeux PS3, des jeux de foot à 10 centimes. Hein. Donc, on a également le jeu Xbox, donc le FIFA 08. Voilà, je pense que c'est déjà qui est imprimé, ou je ne sais pas, en fait. Ou alors c'est une vraie jaquette, hein. C'est vrai que c'est la truc bundle copie. Hein. Bon, par contre, ça, un peu dommage parce que j'ai pas vu que la boîte était pétée. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas après pour 10 centimes, c'est pas non plus trop grave. Hein. Donc, j'ai également récupéré le PES 2008. Voilà, donc pour 10 centimes, toujours pour la boîte. Parce que, en plus, c'est bien parce que les jeux sont complets, donc c'est ça qui est marrant, quoi. J'ai également récupéré le PES 2009. Alors, il y a peut-être des jeux que j'ai récupéré en double, hein, parce que bon, pour les boîtes aussi. Hein. Parce que les boîtes 360, c'est vrai que c'est pas des boîtes que je vois non plus souvent, quoi. Et quand je l'envoie, je me dis que ça peut permettre de remplacer des boîtes. D'ailleurs, je pourrais remplacer une de mes boîtes qui est abîmée, donc c'est plutôt cool. Donc, j'ai également récupéré le PES 2010, voilà. En plus, moi, j'avais un de mes frères, avant, j'ai acheté des jeux, et les jeux étaient pas chers, j'avais trouvé FIFA 16 pour 20 centimes, un truc ainsi. Deux jeux que je gardais, j'étais plutôt content de les trouver, parce que c'est des jeux que j'aime encore assez bien. Bon, moi, je suis un grand fan de hockey, hein, donc les jeux de hockey, j'aime beaucoup ça. Du coup, et pour 10 centimes, je suis récupéré le NHL 2K7, hein, voilà. Plutôt content d'avoir récupéré celui-ci. Donc celui-ci, bah, vous allez voir, il est complet, hein, en super état, hein, voilà, c'est vraiment cool. Plutôt bon état, hein. Je vous rassure, j'ai pas acheté que des jeux de comme ça, j'ai aussi acheté d'autres jeux. Hein. Et j'ai également récupéré le Virtua Tennis 2009. Voilà, plutôt content aussi d'avoir récupéré celui-ci parce que les jeux de tennis, j'aime bien aussi. Par contre, je pense que c'est une version en anglais parce que c'est écrit en anglais derrière. Hein. Bon, voilà, mais pour 10 centimes, après, on va pas se plaindre du tout hein, à ce prix-là. C'est même pas le prix d'une baguette de pain, quoi. C'est ça, quoi. C'est même pas le prix d'une baguette de pain. Donc, on verra bien. Après, c'est vrai que l'état, j'avais pas regardé si c'est en bon état. Bon, ça y est, nickel. Bon, voilà, j'avais quand même regardé s'il n'y avait pas d'autres jeux, j'en ai pas vu. Enfin, je me suis dépêché un petit peu aussi parce que j'étais un petit peu pris dans le temps. Donc, j'ai juste pris ça pour le moment. Au cash, donc, j'ai acheté d'autres jeux. Il y a un petit collector que je vous montrerai à la fin.
parce que j'ai acheté un petit collector pour pas très cher d'ailleurs. Je l'ai cassé à mon pote Jérôme, hein, parce que c'est lui qui m'en avait parlé. Donc Coca, j'ai acheté également donc un jeu qui était rétro-compatible avec la Xbox One. Faut savoir ici que sur la Xbox One, sur le store, ils avaient fait pas mal de jeux en rétro-compatibilité. Celui-ci m'intéressait, mais sur le store, il était proposé à 10 €. 10 €, ça me faisait un peu cher quand même. Et là, bah, je l'ai récupéré dans mon cash pour la somme de 4 €. Bon, dommage, c'est une version choix, enfin classique, quoi, choix des joueurs, ou comme vous voulez, une version essentielle classique, voilà. Donc il s'agit du Call of Duty numéro 2. Voilà, un FPS hein, dans l'univers de la guerre mondiale, hein, évidemment, pas de l'univers futuriste. Donc c'est bien parce qu'apparemment le prochain Call of Duty va plus porter sur la guerre mondiale, donc on verra bien ce que ça donne. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu un Call of Duty dans la guerre du mondial. Bon, les Call of Duty, j'aime bien encore, les multijoueurs, je suis pas très fan, mais jouer au solo, ça me dérange pas parce que des fois je passe vraiment du bon temps sur les solos. Voilà, le Call of Duty 2, plutôt content de le rentrer. Il me manquera plus qu'à trouver le Call of Duty 3 sur 360, hein, et le Call of Duty World at War, je pense, pour avoir tous les Call of Duty. Donc voilà, celui-ci est complet. Par contre, celui-ci, j'ai pas vraiment regardé l'état, si t'es propre ou quoi. Bon, ça y est, nickel. Il n'y a pas de souci. Voilà, le Call of Duty numéro 2 pour 4 €. Voilà, j'étais plutôt content de le trouver. Dommage que c'est une version classique. J'ai également récupéré un autre jeu. C'est un jeu que j'aimerais bien trouver sur PS4 parce qu'il est sorti également sur PS4. Mais je me suis dit, je vais le prendre en attendant sur la 360 parce qu'il est compatible avec la Xbox One. Donc il s'agit du Injustice God Among Us. Donc les dieux sont parmi nous, je ne sais pas quoi. Donc il faut savoir que le deuxième opus est sorti aujourd'hui. Hein, donc je vais sûrement me le prendre, mais pas dans l'immédiat parce que je vais attendre qu'il baisse de prix un petit peu. Parce que moi, le Injustice, premier de nom, celui-ci, je l'avais acheté, je m'en souviens, il y a déjà une paire d'années. Hein, je l'avais acheté Day One, quoi. Je l'avais acheté 50 €, une connerie ainsi, je sais plus. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le jeu, je m'en souviens, j'avais vraiment adoré. C'est rare que j'aimais autant des jeux de combat. D'ailleurs, c'est fait par Warner Game, pardon. Par Warner Bros. Alors, les dieux sont parmi nous, donc plutôt content de rentrer celui-ci pour 4 €. Je trouvais pas ça excessif. D'ailleurs, le jeu était resté un moment, je pensais que le CD était en mauvais état, au final le jeu est nickel, quoi, il n'y a même pas de griffe. Donc je ne comprends pas pourquoi le jeu restait aussi longtemps, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Bon voilà, si un jour je me le récupère sur PS4, mais je me le prendrai sur PS4. Hein. Donc voilà, les Gods Among Us, voilà, c'est bien en français. C'est plutôt sympa. Donc maintenant, avant de finir par le collector que je vais vous montrer, je vais passer maintenant dans un autre magasin. Donc un magasin qui se trouve à Tournai, toujours hein, dans le Pitonnier en fait. Donc qui propose des prix plutôt intéressants dans les jeux 360. Il y a des jeux entre 1 €, 3 €, il y a des jeux un petit peu plus chers quand même, des jeux à 15 € et tout ça. Généralement, moi j'essaie de fouiller un maximum pour essayer de trouver des petits jeux à pas trop cher. Donc j'ai récupéré quelques petits jeux. Donc ça m'est revenu à 15 € le tout. On va commencer de suite sans perdre de temps. On va commencer par un petit jeu. D'ailleurs, je demanderai un petit peu aux personnes qui ont le jeu. Parce que voilà, il s'agit en fait de Elder Scrolls 4 Oblivion édition 5e anniversaire. Voilà, pour la somme de 3 €. Je trouvais pas ça si cher que ça. Donc pour 3 € je me suis dit je vais le prendre. Je pense qu'à l'intérieur, il dispose de tous les DLC. Hein. Oblivion, Knight of the Nine et Shivering Isle, je sais pas comment ça se dit. Voilà, pour 3 €, par contre, ça se comporte comme ça sur 3 CD. Ça, j'ai regardé un petit peu l'état, parce que c'est vrai que les CD étaient un petit peu abîmés. Mais je pense que ça devrait aller, je pense. Hein. J'ai déjà vu pire niveau CD. Donc, il y avait le bonus matériel. Donc, je sais pas si c'est quoi ça au juste. Je pense que c'est peut-être un making-of ou quoi. Mais s'il y en a qui savent me dire qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas. Donc dedans, ça se présentait avec deux disques. Voilà, il y avait deux disques à l'intérieur. Donc les deux disques sont ici. Hein, donc je sais pas. On verra si, à mon avis, d'avoir un truc pour les DLC et un autre truc pour le jeu, évidemment. Parce qu'en fait, je sais, j'avais un petit peu regardé. Il y avait un autre. Comment dire? Il y avait un. Bon, c'est pas des codes, je pense. On a un petit poster à l'intérieur. Je vais pas vous le déballer parce que j'ai un peu la flemme de tout le remettre après. Mais donc, je disais que j'avais été dans un cache et j'avais trouvé la version Gothi pour 5 €. Et là, bah, en fait, c'est la version, je sais pas, 5e anniversaire. Ou 3e, je ne sais plus. Mais c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait plusieurs versions. S'il y en a qui savent me le dire, ça m'intéresse. Voilà. Le Oblivion. Bon, par contre. Genre un petit peu parce que je vois qu'il a été un petit peu il a un petit peu été mouillé. C'est pas parce qu'une fois ça m'est déjà arrivé d'acheter un jeu en l'achetant ça allait, mais quand je suis rentré chez moi il sentait la pièce de chat, donc c'est un petit peu dégueulasse j'avoue, mais bon voilà, c'est pas grave. Voilà, bien sûr le jeu je l'ai jeté, j'ai même pas regardé la boîte. Hein. Voilà. Un autre jeu que j'ai pris vraiment parce que voilà, c'était pas trop cher, c'était 1 € et voilà, je me suis dit je vais le prendre quoi.
Ça revient à... C'est vrai que je sais même pas si je vais jouer parce que je l'ai déjà sur la Xbox One, pour être honnête. Hein. Mais quand je me suis dit qu'il était à 1 €, bah, je dis, je vais le prendre, quoi. 1 €, un petit jeu de 360, ça fait pas trop cher. Hein. Même que bah, c'est pas un jeu de sport, hein. Ça aurait été du sport, j'aurais pas pris. Mais voilà, par un petit Battlefield 4 pour 1 €, je me suis dit, bah, allez, on va le prendre, quoi. Ça reste correct, hein. En plus il est complet et les CD sont en super bon état, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour 1 €, bah, c'est plutôt cool, quoi. Ça rentrera dans la collecte, un hein, 360. So, oui, je l'ai déjà sur le Gear Access celui-ci, hein, donc c'est pour ça que je l'ai. Enfin, quand je l'ai vu à 1 €, je l'ai pris. Sur peut-être 3 €, je pense pas que je l'aurais pris. Mais à 1 €, je me dis, ah, je vais le prendre, quoi. J'ai également récupéré un autre jeu. Celui-ci, j'ai regardé vite fait l'état parce que c'est vrai que quand je l'avais acheté, il était un petit peu griffé. Bon, ça devrait aller, je pense. Donc, un petit jeu de course. Moi, j'aime bien les jeux de course encore, mais ça dépend des jeux. Les Gran Turismo, je suis pas fan, mais ce genre de jeu, j'aime beaucoup. C'était une exclusivité à la 360. Hein. Il était déjà d'ailleurs sorti le deuxième opus sur la Xbox normale. Donc, il s'agit de Project Gotham Racing 3. Moi, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est un bon petit jeu de course. Hein. Donc, c'est un jeu exclusif à la 360, comme je l'ai dit. Hein. Donc, voilà, c'est des bons petits jeux. C'est vrai que ces genres de jeux, on n'en voit plus du tout les projets de Gotham Racing 3. Je pense peut-être même que ça a changé de nom, je ne sais plus. Mais voilà, mais pour 2 € celui-ci, ce n'est plutôt bah, pas trop cher, hein, je trouvais. 2 € le jeu, ça reste correct, je trouve. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, voilà, ça c'est cool. Un autre jeu que je surveillais parce que j'ai beaucoup de jeux en démat. C'est vrai que j'achète généralement des jeux en boîte que je ne possède pas en démat parce que je préfère. Mais celui-ci était gratuit sur le EA Access, je ne l'avais pas. Donc, enfin, moi, c'était le 2 Bad Company 2 que j'avais. Et là, c'est le Bad Company, Battlefield Bad Company, premier du nom. Voilà pour la somme de 2 €. Je trouvais pas ça, voilà. Franchement, moi, je trouve que c'est bien, des jeux 360 à 2 €. Ça commence, hein. Et en plus, ce qui est marrant, c'est en vue de grenier, les gens les vendent encore 10 balles le jeu, quoi. C'est ça qui m'étonne, quoi. Les gens les vendent encore 10 balles le jeu pour certains jeux, des fois des jeux de merde. C'est vrai que dans ma région, maintenant, les jeux 360, il y en a beaucoup dans leur région, les jeux 360, ils les trouvent à 2-3 €. Il y en a même qui disent que 5 € en vue de grenier, c'est cher. Et ben moi, pour être honnête, je trouve que des fois, 5 € en vue de grenier, c'est pas cher. Parce que c'est rare que je tombe sur des jeux 360 à ce prix-là, tout simplement. Et tout court, c'est rare aussi que je tombe sur des jeux 360. Maintenant, je trouve vraiment sur plus rien du tout, quoi. PS3 beaucoup, mais 360 jamais. Du coup, ben, on verra bien si ce week-end ça va porter les fruits pour les brocantes. On verra bien. Donc voilà, ben, celui-ci pour 2 €. Plutôt sympa. Hein. Bon voilà, je trouvais ça correct. J'ai également récupéré pour la somme de 2 € un petit jeu de Midway. Apparemment, c'est un bon petit jeu celui-ci. Avec des scènes de. Comment dire? Des scènes en. Comme à Max Payne, là. Je sais plus comment on dit quand on saute au ralenti. Ouais, il s'agit de Stranglehold. Je sais pas ce que c'est, comment ça se prononce, mais bon, c'est pas grave. Bah, pour 2 € apparemment, bah, on m'avait déjà raconté que c'était un plutôt bon jeu. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Hein. Pour 2 €, bah, je me suis dit, bah, après, je risque pas grand-chose. Hein. C'est pas très cher non plus. Hein. Donc, voilà, il est bien sûr complet. Voilà, en super état, donc ça c'est cool. Pour 2 €, bah, je vais pas non plus m'étendre beaucoup sur ce jeu parce que je ne le connais pas trop, tout simplement. Un autre jeu que j'ai acheté, que je possédais le deuxième épisode, je n'avais pas celui-ci. Le CD est bon, un petit peu griffé, mais je pense que ça devrait fonctionner. Il s'agit du Juste Cause, le premier du nom, voilà, le premier Juste Cause, que je n'avais pas, pour 3 euros. Voilà, je trouvais pas ça non plus cher, si cher que ça, donc c'est bien de trouver des petits jeux à ce prix-là. Hein. Voilà, le Juste Cause, voilà, pour 3 euros. Il était bien sûr complet, voilà, en plutôt bon état, pas non plus du bon état, mais il était quand même complet, c'est déjà ça. Et le dernier jeu, je l'avais acheté sur PC il y a 2-3 jours, et là je l'ai trouvé dans le cash pour 2 euros. Et à ce prix-là, ben, je me suis dit, je le prends sur l'occasion de le tester parce que je n'ai jamais joué à ce genre de jeu. Je sais que le premier opus était sorti sur la PS2 et la Xbox, je pense, et celui-ci était sorti sur la PC, enfin la 360 et PS3, à mon avis. Donc il s'agit du Parrain 2, voilà, donc jeu que je n'ai jamais joué, fait parier, je ne savais pas, j'étais fait parier celui-ci, donc voilà. À tester, on verra bien ce que ça donne. C'est vrai qu'il faudrait que je me rachète une manette et un câble pour la 360. Parce qu'à l'époque, j'avais en fait une manette, je jouais plus trop à la 360 et j'avais revendu ma console. Ou peut-être tout court acheter une 360, je ne sais pas, on verra bien. Bon, voilà, le Parrain 2, ou alors peut-être attendre qu'il soit rétro-compatible sur la One. Parce que. Voilà. Bon, d'ailleurs, moi pour le 3, j'entends vraiment une annonce de Sony. Ce serait vraiment excellent que Sony annonce enfin la rétro-compatibilité des jeux PS3. Excusez-moi. Ce serait vraiment bien parce que. Dans mon cas, il y a pas mal de jeux PS3 qui m'intéressent, mais le problème, c'est que moi, la manette PS3, j'ai horreur de ça. Si un jour ils sortent la manette, enfin, s'ils sortent des jeux PS3 sur Xbox, enfin, sur PS4, ben, moi, je dis oui tout de suite, si on peut y jouer dessus directement. Ce sera vraiment pas mal parce que
Il y a beaucoup de jeux qui m'intéressent. Dans ce cas, il y a vraiment énormément de jeux. Ils vendent des Borderlands, des pré-sequels à 2 € je pense, sur PS3. Vraiment pas cher. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer le petit collector, enfin une édition limitée. On peut pas dire que c'est vraiment collector, c'est plus une édition limitée plutôt sympa. Après, c'est vrai que l'état général n'est pas fameux du tout. C'est vrai que quand on regarde l'état de la boîte, c'est pas fameux. Donc je fais une dédicace, Jérôme, hein, parce que c'est toi un petit peu qui m'en avais parlé par message hier. Hein. Donc je me suis dit, bah allez, il est là, je vais me le prendre, quoi. C'est vrai que je possède le jeu en démat. Le CD pas non plus dans un état super. Moi je me suis dit, allez, pour 4 €, ça mange pas de pain, quoi, c'est pas trop cher. Donc au final, j'ai le jeu en démat et j'aurai une petite édition limitée. Donc voilà, j'ai récupéré pour 4 € l'édition limitée, voilà, de Gear of War 2. Voilà, moi je trouvais vraiment pas le prix excessif du tout. Hein, pour. Ah mince, je suis en train de me rendre compte que j'avais un papier avec. Il faudra que. Je l'avais regardé chez ma grand-mère, il faudra que je regarde si le papier, tu vois, si on ne me l'a pas jeté. Voilà, le Gear of War numéro 2, voilà, parce que j'avais la photo avec. Je pensais que le jeu n'était pas complet, mais la photo est dispo avec. Voilà, le Gear of War numéro 2 pour 4 €. Plutôt sympa, je trouve. Hein. Voilà, vous voyez, l'état non plus est pas non plus fameux, fameux. Il y a des petits pocs un peu partout. Bon, je vais vous montrer le détail en vidéo. Je ne vais pas vous faire une vidéo unboxing pour ça, hein, parce que c'est quand même assez petit. Donc avec ceci, donc on a une petite sorte de petite pochette, hein, voilà, avec la fameuse arme des Gear of War, hein, voilà, de Marcus Fenix. Hein, voilà. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça, un petit fourreau, enfin un petit fourreau, une petite boîte avec le fourreau qui est ici. Hein, donc voilà, qui montre un petit peu. D'ailleurs, je pense que pour retirer l'autocollant, ça va être galère, je pense. Ça va être galère, hein, c'est un peu dommage qu'ils ont foutu ça là. Donc voilà, pour le collector, qu'est-ce qu'on avait? On avait, alors, quelques petites choses. Hein. Donc on avait, pour commencer, un petit steelbook. Voilà, un petit steelbook, voilà, qui est complet. Je pense que le collector est complet, je ne suis pas sûr, il faudra quand même que je vérifie. Voilà, avec le manuel du jeu, donc plutôt sympa, hein, en couleur. Hein. On avait également le jeu, bien entendu. Est ici, hein. Malheureusement, le CD un petit peu griffé, il a bien été morflé. On avait également un petit CD limited bonus édition, donc je ne sais pas trop ce que c'est. Il faudra que je regarde à l'arrière ce que c'est. Donc voilà, le limited bonus disque. Je me suis dit pour s'il était plutôt bien complet. Donc voilà, le steelbook, voilà, plutôt sympa, pas non plus exceptionnel non plus, je trouve. Hein. Ça reste correct encore, c'est pas non plus. Voilà, je trouve pas que le steelbook, voilà, il est bien, mais sans. Voilà. C'est pas non plus le meilleur steelbook que j'ai vu de ma vie. Hein. Bon voilà, donc le steelbook. Et enfin, à l'intérieur, on avait un petit artbook. Donc oui, j'ai bien oublié la photo chez ma grand-mère. Parce que j'avais regardé un petit peu l'état chez ma grand-mère. Du coup, il faudra que je le récupère demain. Donc voilà, à l'intérieur, on avait l'artbook. Voilà. Un petit artbook plutôt sympathique, je trouve, encore en couleur en plus. Hein. Plutôt sympa. Donc voilà, avec des petites images, des petites illustrations plutôt sympathiques. Hein. Je vous montre un petit peu, hein, comme ça vous voyez un petit peu ça donne quoi. Bon, ça serait bien qu'ils annoncent un Gear of War 2 comme ils ont fait avec le premier, quoi. Sur Xbox One ou voilà, sur Xbox One, ce serait pas mal. Du coup, voilà, donc à l'intérieur, on avait également, en fait, je vais vous montrer le derrière parce que j'ai oublié. La fameuse photo chez ma grand-mère. Au début, je pensais ne pas l'avoir et au final, elle était bien dedans. Donc, à l'intérieur, ça comprenait donc un livret d'illustration, 48 pages intitulé sous ma. Attendez, je pense que ce sera plus simple. Je vous ferai un petit en espérant que ça se voit bien. Voilà, comme ça, vous voyez, vous ferez pause au cas où. On voit pas très bien, malheureusement. Bon, je vais peut-être lire. Donc, il y avait donc un livret d'illustration, donc un petit artbook, un DVD bonus avec making of des galeries d'illustration, des vidéos commerciales et plus encore. Une photo de Dominique et Maria Santiago. Donc, la photo est bien présente. Elle est chez ma grand-mère en ce moment. Donc, j'irai la chercher demain. Un boîtier steelbook en métal. Un code exclusif utilisé pour débrouiller une arme exclusive. Bon, ça, par contre, ce n'est pas présent du tout. Mais bon, après ça, je m'en fous un petit peu perso. Donc voilà, ça se termine pour la vidéo achat 360. Vous voyez, j'ai quand même acheté pas mal de choses. Hein. J'essaie vraiment maintenant d'essayer de vous présenter un maximum les jeux que j'achète. Essayer de vous donner un petit peu plus de détails. Hein, parce que c'est toujours bien de donner un petit peu plus de détails sur les jeux qu'on achète. Parce que des fois, il y a des vidéos où on voit des gens, ils achètent des jeux, ils font voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Mais ils racontent rien sur le jeu en question. Donc c'est un peu dommage, hein, je trouve. Parce que c'est vrai que moi, avant.
Je vous raconte un peu ma life, hein, là. Mais bon, je dis, c'est vrai que moi, avant, quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, je m'intéressais souvent au prix que les gens les achètent. J'attendais souvent ce que les gens ils disent, le prix qu'ils ont acheté le jeu. Et maintenant, ce que je recherche dans une vidéo, c'est un maximum d'informations sur les jeux. Parce que des fois, ça permet de trouver des petits jeux vraiment sympathiques, hein. J'essaie vraiment de trouver un maximum d'infos sur les jeux. Je pense d'ailleurs à une petite dédicace à Ryu, qui fait aussi d'excellentes vidéos, qui raconte beaucoup de détails sur les jeux. Mais aussi Arnaud du 90, hein, qui fait vraiment de super vidéos également, qui raconte aussi beaucoup de détails sur les jeux Lovecraft. Il y a vraiment pas mal de youtubeurs qui donnent un petit peu plus d'informations sur les jeux qu'on prend. C'est pas comme si on montre ce qu'on achète et au final on n'a pas de détails. C'est comme si on m'en avait montré des boîtes pour rien, quoi. Moi j'ai vraiment envie qu'il y ait de l'information, qu'il y ait un petit peu de travail là-dessus. Enfin, moi c'est vrai, comme vous voyez, mes vidéos, il n'y a pas de montage. Je fais vraiment comme ça, même si un jour je rentrais en vidéo, je m'en foutrais, quoi. Je couperais pas ça au montage, quoi. C'est pas dans ma nature de faire des montages tout le temps. Je suis pas très fan de tout ça. Donc c'est pour ça en fait que je fais des vidéos comme ça, un petit peu à l'arrache, hein. Des fois, il n'y a même pas de préparation avant. Je le fais comme ça à l'instar, quoi. Donc voilà, ça se termine pour la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, on va se retrouver sûrement demain pour un contour du vide-grenier ou du dimanche. Ça va dépendre si j'ai pas trouvé de choses demain. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut à tous, amis.